près de 12 jours de voyage. 9 villes visitées. Plus de 2500 km parcourus. Près de 80 pilotes. Des paysages à couper le souffle. Plus d'1h30 d'images d'une aventure inoubliable. Venons de débarquer du vol Tunisair en provenance de Bruxelles. On est à Tunis-Carthage. La 29e Transtunisia Tissot peut démarrer. Nous sommes actuellement tout juste 80. Nous aurons quelques participants qui arriveront par la suite aussi. Vous savez que la reconnaissance s'est faite dans des circonstances assez particulières, puisque en fait il faisait particulièrement pluvieux à ce moment-là. Donc il y aura pas mal d'annotations à faire au roadbook, éventuellement des déviations proposées si il y a des endroits qui sont difficilement accessibles. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans les étapes, découvrir des paysages grandioses, des grands espaces. Ça vous donnera envie forcément d'ouvrir les gaz. Ce sont des pistes qui sont en général aussi plus roulantes que ce qu'on trouve en Belgique notamment. Donc roulez s'il vous plaît avec une grosse marge de sécurité. On est là pour passer des vacances, pour que tout le monde arrive au bout de cette Transtunisia. Bon alors, montrez votre enthousiasme. Yeah. Bon,
Encore une fois, votre enthousiasme. Que lors des éditions précédentes, cette étape constitue néanmoins une bonne mise en jambe. Après un premier briefing matinal de présentation générale, une boucle par Tebourba permet d'éviter Tunis. Le parcours descend ensuite plein sud en suivant plusieurs vieilles traces de chaussées romaines pour rejoindre Bargou à l'heure du lunch. Les paysages sont verdoyants et fleuris. Les pistes épousent le doux relief des derniers contreforts de l'Atlas tunisien avant d'approcher Kairouan. Rudy, salut. Comment se passe ta première étape ? Très bien, c'est nickel. Maintenant, on a juste un petit souci avec des collègues qui sont sur l'itinéraire trail et qui ne sont pas équipés de pneus enduro. Et bon, bah, c'est la galère. Donc ce soir, je pense que la meilleure chose à faire, c'est qu'on se mette en quête de pneus cross pour eux. Ça patine beaucoup pour eux ? Oui, énormément. J'avais beaucoup de craintes pour moi parce que j'ai une machine très lourde. Et finalement... Finalement, ça passe très bien une fois qu'on est équipé des bons pneus. Ok. Et t'as éprouvé des difficultés jusque-là ? Non, pour le moment, ça va. Que du bonheur ? Oui, j'attends de voir arriver le sable. Dans le groupe, nous sommes quatre et on a dit qu'on allait essayer de se ramener tous les quatre en même temps. Tu peux me présenter les gens avec qui tu roules ? Oui, bien sûr. Voilà, juste derrière toi, on a Tanguy ici. Bien, on va te présenter. Dis bonjour à la caméra. Donc voilà un membre du groupe. Salut ! Voilà, qui est chaussé des bons pneus, donc tout va bien. Et ici, derrière, Dirk et Claude, qui n'a pas chaussé des bons pneus.
Voilà. Bonjour. Vous êtes équipé? Oui. Ouais. Il faut. Ah ouais, il faut. On va peaufiner demain. Hein. Voilà. Oui, on va améliorer tout ça demain. Aujourd'hui, on découvre. Ouais. Super. Ben, un grand merci et bonne route à tout le monde. Avec plaisir. Je m'appelle Larossi Rachid, je suis tunisien, je suis natif de Bargou. C'est une délégation du gouvernorat de Siliana, un coin très beau, très beau, bien connu par sa montagne, par ses eaux minérales. C'est une zone touristique et d'ailleurs c'est une raison pour laquelle les Belges viennent chaque année. Ils viennent nous visiter parce que nous avons de beaux coins. Ces Belges-là que nous connaissons depuis bientôt 12 ans ou 14 ans. C'est dans cette même place-là, moi et ma fille. Et depuis, j'ai beaucoup d'amis que je leur passe le bonjour. Ils ne sont pas peut-être venus. J'attends quelques-uns ici aujourd'hui que je vais inviter chez moi. C'est l'habitude. Hein. Eh bien, c'est un plaisir de venir en tout cas. Merci beaucoup. De rien. We'll be right back.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stay. Sud-Ouest, non loin de la frontière algérienne. De Kairouan, on rejoindra d'abord Zbetla. La suite sera commune aux deux itinéraires pour rejoindre Sidi Aish, où l'itinéraire Tété s'engagera dans un oued pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Le sable fait donc son apparition et restera d'actualité pour les Tété jusqu'aux environs de Temerza. Le parcours des trails sera plus roulant, évitant notamment le long oued, mais tout aussi beau au niveau des paysages traversés. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et vous les filles? Bonjour, Rodin. Ça fait plaisir de voir la pêche là. Regardez-moi maintenant à droite. Attends, à droite. Bon, à droite, droite. On va continuer à guider. Salut Amit. Très bien, voilà Amit. Alors salut les filles, comment ça va aujourd'hui? Salut Charlie, ça va très bien. Hello, super. Alors expliquez-moi votre parcours de la Transtu, c'est votre première? C'est notre toute première. Il faut parler de la Sucette, s'il te plaît. C'est notre toute première. Allô la Sucette. Quelles sont vos impressions jusque-là? Si je vous le disais. Être entouré de plein de motards comme ça, oh là là, c'est pas mal pour vous, non? C'est pas mal, mais moi j'ai mon petit motard, il me convient bien. Mais c'est vrai que les autres sont très gentils. Moi d'abord je trouve que c'est d'abord un voyage super parce que ça ouvre d'autres horizons. Et puis surtout on apprend à connaître d'autres personnes, ce qui est génial. Et voilà. Toi Dom, tes impressions? Moi je suis... au septième ciel, au milieu de la poussière, quoi demander de mieux? Bon, vive la nature, superbe paysage, journée, ambiance du tonnerre. Raoul et Laurent Angignon, on reste avec vous jusqu'à la fin du séjour. Voilà. Avec plaisir. Alors, on quitte plus là. Et un petit mot de la fin, les filles. Encore, encore et encore. Et toujours. Coupé.
Bonjour Vincent, bonjour Geneviève. Alors, nous sommes à la deuxième étape de cette transtu. Vos impressions jusque maintenant ? Alors, nos impressions, après une journée assez difficile en raison de la boue hier, aujourd'hui, paysage superbe, température plus que de saison, donc tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. On est venu avec une Triumph Tiger 800, version off-road. La machine convient très bien, elle est très confortable, la suspension marche vraiment bien. Bon, c'est lourd, mais ça reste une machine qui est légère et efficace. Vous roulez en groupe ? On a un petit peu de mal à trouver des gens qui roulent au même rythme que nous, puisqu'on est trop lent pour les rapides et qu'on est pratiquement les seuls à être sur le parcours tout-terrain en duo. Ça s'apparente parfois à du combat au corps à corps, mais ça marche. Pour l'instant, ça vous convient bien ? Ouais, très bien. Et si jamais vous êtes trop dur, vous allez passer en trail à un moment ? Ouais, si vraiment... Vous êtes là vraiment pour le tout-terrain ? Non, le but c'est de ne pas céder, donc on fera tout pour ne pas céder. Petite anecdote pour terminer, vous en avez une croustillante ou... Oh, croustillante, elle était plutôt moelleuse là où on s'est étalé, quoi, dans une belle boue bien accueillante, ça, c'était plutôt comme ça, quoi. Je sais pas quelle température il fait, le 4x4 vous donne la température ? Le 4x4 vous donne la température ? Vous avez une idée de ce qu'il fait quand même ? 25. Allô ? Tu m'entends ? Non. Non, on va devoir pouvoir tout rejumeler là. Ça, c'est la carte là. People that you could over my life, and that's the only one I got. Now they're gonna make me despair, they'll make me pay for the air, and that's the only one we got. They wanna make you believe there's something that they can't see, but all you need is to be. Battement d'ailes d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages. Le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. On l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos. Un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot,
revenons à nos moutons, à nos papillons, à nos tels un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé. L'étape longera tout d'abord le shot El Garza pour aboutir sur le site de tournage de Star Wars. Ensuite, Tete et Trail se sépareront. Les uns rejoindront Nefta pour déjeuner et ensuite attaquer le tour du shot El Jerid par des pistes parfois un peu boueuses, tandis que les Trail iront déjeuner à Tozer avant de traverser le shot par la route surélevée qui permet d'admirer des mirages en toute quiétude. Une journée cool pour les trailistes, alors que les TT auront beaucoup de pistes à se mettre sous les pneus avant de rejoindre le campement Mehari de Zafran. In the morning, too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming. Do you know what I mean? You make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms. I want to be fine. 20 minutes and I'm ready. It's not raining today. I'm late and I must hurry. Welcome to my wife. I'm sorry, it's not raining today. Kill the light, I can see. Time is running out, ghost keeping me alive. I get what it means, you have to survive. Time is running out, ghost keeping me alive. I get what it means, you have to survive. You know I'm on the road. Playing tonight. Ever since this morning, your kiss is on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real. Salut, comment tu t'appelles ?
Shérif. Shérif. Shérif, je suis un Kadhishi. Enchanté, Shérif. Ouais, merci. Chauffeur de calèche. Ouais, numéro 31. Je travaille avec les touristes depuis longtemps. On fait le circuit de la Palmorée, il y a beaucoup de choses à voir, c'est sympa à voir. Et tous les touristes qui sont venus à toutes heures, et c'est sûr, on reviendrait à son pays très très content. Il y a beaucoup d'activités touristiques ici? En ce moment, maintenant, c'est mieux que l'année qui est passée. C'est oui. Bien. Inch'Allah, on va voir encore beaucoup de touristes en été. Parce que la saison des touristes, elle va commencer en été vers le nord, vers la Sousse, le Hammamet et Djerba. Il y a les touristes, et les touristes sont contents de visiter la Tunisie. On est tous les jours à vous pour poser des questions, pour connaître des choses à tous heures, et sans problème. C'est gentil. Merci beaucoup, chef. Merci. On souhaite le bienvenu. Merci. Très bien. Allô. Bonjour, ça va? Ah, merveilleux. Merveilleux, c'était un super parcours, bien indiqué. Hein. Ouais. Dans le quartier de Rien, c'était bien indiqué. Ouais. Manque de papa essence. Et on avait notre Sherpa avec nous. Voilà. Salut Sherpa. Je vous présente. Sherpa One, Sherpa Two. On ne sent pas dans quel ordre. Où sommes-nous ici? C'est en fait le début de ce qu'on appelle Star Wars Canyons. Et il y a toute une partie de la montagne qui s'est effondrée. Et on a tourné en fait plusieurs scènes de Star Wars à cet endroit-ci. Les recos sont passés, on a eu 10 jours de pluie, mais vraiment la pluie à la belge, la drache du matin jusqu'au soir. Et donc tout le nord de la Tunisie et même les régions désertiques ici étaient complètement inondées. Tout ce qu'on n'a pas su reconnaître en réalité, on a repéré sur Google Earth, on a tracé les pistes sur Google Earth et ça marche. Ouais, ouais, la preuve, ça marche bien. Oui. On arrive tous à l'hôtel à chaque fois. Bah, heureusement. Excellent. Que du plaisir jusque maintenant. Plus que du plaisir, la jouissance. Excellent, ah. Excellent. Et tu roules avec qui sinon? Un peu avec tout le monde, normalement avec Chris, mais aujourd'hui, comme ses deux fils le rejoignaient, il voulait rouler avec ses fils, alors maintenant je roule seul ou avec Georges. Georges, tu peux venir avec nous? Il arrive, le voilà. Salut Georges. Salut Laurent. Que veux-tu savoir, Laurent? Je t'impressionne ou quoi? Explique-moi ouais. Comment ça s'est passé ce matin. Ben écoute, pas super bien, dans le sens où la personne avec qui je roulais, Marc, a fait une petite chute. Sa moto a guidonné, il est tombé dans un trou et voilà. Il a pris un choc sur l'épaule, sur le genou. Le genou, ça va, mais l'épaule, malheureusement, il y a une petite fracture. Donc, il ne pourra malheureusement plus continuer avec nous. Bon, ce matin, c'était malgré tout très roulant. Il a vraiment joué de malchance, quoi. Et tes impressions jusque-là? Très bonnes. Très bonne, tout se passe bien, une bonne ambiance, le temps pour le moment est au rendez-vous, donc que demande le peuple? Merci à tous les deux. Ouais, avec plaisir. Nous sommes ici au marabout de Sidi Bouknel et ce sont les personnes en fait qui sont responsables de l'entretien du marabout. Et qui habite en fait ici toute l'année. Si je ne me trompe pas, vous habitez toujours ici et vous entretenez, vous faites la peinture, la maintenance de tout du marabout. Bye. My hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the words because of you. And I know, oh, 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 that it's not a dream.
wonder if there's a justice. When I look right into your eye, those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone. This is the story of my life. And I know, oh, 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 that it's not a dream. Attention, attention, toi, attention, pied. Voilà, 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 Un revenant. Barry, c'est qui ça? Un seau de bière et de paille. Et tout ça? Jacuzzi, hammam, bain, bulle, bon soleil. Tout ça, sans trépied. Et il a été ou pas? Il est comme neuf. Il est comme neuf. Elle est où la suite présidentielle ici? C'est une idée. Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Acesse terrasertaneja.net. Um sábado. Souriez, vous êtes filmé. Souriez, vous êtes mettre dans les commentaires, Laurent, que les phares sont nettoyés parce que l'assistance arrive toujours pendant la nuit. Il faut qu'on voit clair, Laurent. Une étape très sablonneuse, du moins sur l'itinéraire tout terrain qui traversera plusieurs cordons de dunes pour rejoindre Ksar-Guilen. L'arrivée à l'heure du lunch à Ksar-Guilen permettra de s'imprégner de la beauté de cette oasis et de la vue imprenable sur les dunes du Grand Erg. Tout cela avant d'aborder la seconde partie de l'itinéraire en direction de Tatooine, où le logement est prévu au Sango, hôtel fétiche de la Transtunisie à Tisset. Et voici le fiston du chauffeur. Bonjour fiston. Ça va?
Ravitaillement. Ça va, Robert? Super, super. C'est très bon. C'est délicieux. On a un temps extraordinaire pour faire les dunes. Vraiment génial. Tu es tout seul? Non, avec un groupe, mais ils sont passés. Je vais les rejoindre. Ok. Les attraper. Allez, ben, file. Allez, à tantôt d'abord. Alors Michel, bonjour, où sommes-nous ici? À Ksarguilan. Ça va? Ça te plaît? C'est la première fois que tu viens ici? Non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois? Je suis venu une fois en 99. Lors de la Trans-Tunisia aussi? Oui, et cette année je reviens parce que j'ai gagné le concours de Moto 80. On t'a inscrit? C'est toi qui t'es inscrit? C'est moi qui ai répondu aux questions, mais j'ai fait ça sans trop y croire, quoi. Mais à ma grande surprise, on m'a téléphoné un dimanche soir pour me dire que c'est moi qui avais gagné, quoi. Au départ, je pensais que c'était une blague, mais non, c'était bien réel. Et voilà, je suis là. Ton terrain préféré, c'est quoi? Mon terrain préféré, c'est les petits sentiers techniques. Plus de technique. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter? Oui. Hier, à 2 km du bivouac, ma moto s'est arrêtée. Je n'avais plus d'embrayage. Donc j'ai dû l'abandonner là-bas. Et aujourd'hui, le long du parcours dans les dunes, nous sommes tombés sur un monsieur qui n'avait pas l'air trop bien. Et je lui ai proposé de lui ramener sa moto et qu'il prenne ma place dans le 4x4 pour qu'il se repose. Quoi. Voilà. Quelque part, ça t'arrange? T'as su faire un peu de dune. Pour ta moto à toi, comment ça va se passer alors? Eh bien, les journalistes viennent samedi et ils amèneront un embrayage. Donc ça va être réparé? Ouais. Allez, patience. Et bonne transdure à toi. Ben merci. Un petit signe? Bonjour Gianni, comment ça va? Comme tu peux me faire chier. Pour faire un bon son, hein. T'as pas été trop dur dans ton 4x4? Non, ça va. Non, ça va. Allez, c'est bien. Fate tells us San Francisco.
En quel temps on rentre? Après 8 heures de route. Tout frais, tout beau. Nickel, hein? On sent bon. Ouais, ouais. Trop facile. Vous gérez, les gars? Oui, oui, à perfection. Un petit salut, hein. Je rentre mon ventre. Hein. Ça vient de me faire rire quand je fais. Le rang général. Ça va le club, mec? Ça va? Dormi 2 heures. Fait le matin, nous allons bien. Salut, grand chef. Salut. Tu vas bien? Ouais, toi? En pleine forme, hein. En forme pour aujourd'hui? À fond les manettes. Allez, tant mieux. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's déjà vu, but I thought this can't be true. You moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from. Après avoir fait le plein à Tatooine et quelques petites routes sinueuses vers Ksarhulet Sultan, l'itinéraire passera par d'autres Ksour moins connus avant de rejoindre Ben Gerdan à la frontière libyenne. Et cela avant de rejoindre Zarzis par un itinéraire très agréable, plus sablonneux pour les tétés que pour les trails. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Sultan. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, c'est bien. Il y a un peu de vent aujourd'hui, mais on est bien ici. Le Ksar ou la Sultan, c'est, on va commencer d'abord par Ksar. Ksar, en arabe, signifie château ou palais. Alors, le Ksar, ici, comme vous voyez, se compose de plusieurs petites pièces. Une seule pièce, on l'appelle Horfa, en arabe. Et chaque famille a son propre grenier. Alors, ils l'utilisent uniquement pour stocker les récoltes ou pour prendre leurs besoins seulement. Comme vous voyez là, on peut compter dans toutes les Ksar 300 pièces. 300 petites chambres, greniers. Alors, à l'époque, on peut compter 300 familles, parce que chaque famille a son propre grenier. Ils vivent dans les déserts, comme étant des nomades. Ils se déplacent toujours dans la plaine avec les troupeaux de dromadaires ou moutons. Bien sûr, il y avait un gardien ici, il reste toute l'année ici. Il y en a des parties d'Ksar. Alors celui-là, c'est la partie la plus ancienne, fin du 15e siècle, l'âge de cette cour-là. L'autre partie à l'entrée d'Ksar, après cette grande porte, c'est la partie récente, presque des siècles et demi, l'âge de l'autre partie. J'ai fait des peintures, des aquarelles ici. C'est la chambre de ma famille à l'époque. J'étais ingénieur, mais j'ai transformé une petite pièce pour travailler, pour faire les aquarelles, peintir. Et celui-là, alors, c'est les trésors de notre ancêtre. Merci à toi. Merci beaucoup. Et bon courage et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup et sois le bienvenu toujours dans notre village. D'abord, en Tunisie, généralement, vous êtes toujours chez vous. Alors, bienvenue toujours. Sultan Ghasmi. Salut. Salut. Salut Gérard. Oh, t'inquiète, si ton appareil photo est cassé, moi j'ai des images. Hey, salut Pierre. Ça va et toi? Et ça filme? Ça filme. T'as déjà combien d'heures? Oh, là je suis à 4h30.
Ah, je vous pose juste une question. Oui. Ça va, tout va bien? Bah, ça allait mieux avant. Avant quoi? Avant qu'on commence la piste, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Bah oui, c'est un peu fatigant, hein, quand même. Hein. Ça tape beaucoup, mais voilà, non, ça va très bien, ça va très très bien. Vous êtes en visite, là? Oui, on fait des repérages pour le tournage d'un film. Et les acteurs sont présents déjà, mais... Tu peux me les présenter? En fait... Voilà, alors... Il y a Marc, donc Marc, c'est... Marc, viens ici. Évidemment, c'est un film X, donc voilà. XXX. Ok. Voilà, Marc le rôle principal. Nous avons Xavier. Il y avait Rob aussi. Bonjour Xavier. Xavier, vous 23 ans, de sexe M. La coupe de cheveux, il se prépare pour faire la femme dans le film. Je voudrais faire du Perret, dans le film, mais je n'y arrive pas tous les matins. Je m'y mets, je cherche mon Perret préféré avec son cheveu fou. Voilà. Moi j'ai trouvé la solution. C'est très vite. Voilà. Excellent. Robin voilà. Passe par derrière, c'est lui qui est fermeur en fait. Ah ben vous avez un casting de fou là. Ah oui, ça va cartonner là. Non, en fait la réalité c'est que Star Wars à côté c'est... On a essayé de prendre un journaliste avec nous pour lui montrer ce que c'était que du trail. Mais alors, bon, nous avons des motos adaptées, il n'y a pas de problème sur les deux chars là-bas. Mais alors voilà, il y a des motos, c'est pas bien, c'est for Star Trek. Et ça va sinon, tout va bien? Les KTM vont très bien, les deux grosses vont très bien. Oui, oui, les deux petites vont bien. Notre journaliste. Mais ils vont très vite en fait. Son petit mécano. Ils sont assis dans des fauteuils et nous on est assis sur des chaises. C'est juste la différence. Ah, là ça vous fait du bien. Ça donc nous on ne s'assied pas sur les chaises, on reste debout. Et voilà, c'est tout. Tout bon. Non, c'est super. So many names.
Ça va, Luc? Ça va, oui. T'es fait un petit nettoyage avant de démonter le filtre à air? Ah, je ne sais faire que ça. Mettre de l'huile dans un moteur. Ah, j'ai réussi. Salut. Salut, bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée mécanique? Journée mécanique, oui. Ta moto va bien? Ben oui, elle va très bien parce que c'est une Yamaha VR250 et il n'y a pas de souci. Je change le filtre à air et je mets un peu de graisse sur la chaîne et c'est tout, quoi. C'est assez. C'est ta quantième transtu? Je pense que c'est la septième. Et sur la piste, comment ça se passe? Sur la piste, ben, on roule vite, hein. Un peu trop vite peut-être, mais ça va. Quasiment plus. Pas d'accident? Oui, hier j'ai eu un petit accident, j'ai acheté une voiture, mais... Pas de nouveau? Non, plus. Si tu devais comparer avec les autres années? Je ne sais pas, je pense qu'il y a un peu plus de kilomètres cette année-ci, mais à part ça, c'est pareil. Oui, les étapes sont longues cette année. Hein. C'est long, oui. Ouais. On part un peu plus tôt, pas de problème. Ah, ok. Ton étape préférée jusque maintenant? Oh. Les deux premiers jours. Les deux premiers jours? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a du tout. Il y a des trucs techniques, il y a beaucoup de variations. As-tu une anecdote? Non. Excellent. Donc tout va bien pour toi? Tout va bien. Allez, super. Merci Chris. D'accord. Parfait. Eh bien, monsieur Piment, bienvenue dans Sorette. Que pensez-vous de cette soirée au nightclub hier soir? Wonderful. Coupé. Pour cette étape de reprise après le jour de repos, l'itinéraire sinue entre les plantations d'oliviers et longe la mer au début pour rejoindre Ksar Alouf à l'heure du lunch. Ensuite, les parcours se sépareront avec quelques champs de dunes pour les tétés et des pistes plus roulantes pour les trails avant d'arriver à l'hôtel Mehari de Toulouse. Bye.
understand. Stop the movement. They can try if they want to. Ignorar los ladinos, sí. They can try if they want to. What pisses off a big raw. Took like jigsaw, built it all. Despite a big loss, I bet it all. Hip hop playing against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Paris-Bordeaux-Le Mans, quoi ? À quoi ? Salut Bruno. Salut Laurent. Ça va ? Ben, ça va bien, dis. Tout se passe bien ? Mais extraordinaire, c'est une fabuleuse journée. On a commencé avec 30 km le long de la mer, sur des petites falaises de 3 mètres. Une piste tout à fait vierge, personne n'était passé. Super agréable. C'est assez incroyable parce que je dois être à ma 15e à peu près. Et je trouve que Stanis, cette fois-ci, a vraiment fait... un itinéraire absolument exceptionnel parce qu'il arrive à éviter un maximum de goudron et à aller trouver, à aller chercher des petites pistes encore vierges, des pistes comme il y a 25 ans, et ça c'est extraordinaire. Et donc j'ai pas une étape préférée, je les trouve toutes intéressantes, je leur trouve toutes une spécialité. Au niveau du groupe, que penses-tu du groupe cette année ? Bah évidemment, plus les groupes sont grands, plus c'est difficile de... Mais en même temps, c'est assez chouette parce que bah, on est fin de la première semaine, donc évidemment, on a commencé à ramer ensemble, on a sorti à peu près tout le monde des situations les plus périlleuses, on commence à connaître un peu les caractères de chacun, on a vu chacun faire un coup de gueule, chuter dans son moteur. Bon, et du coup, voilà, ça y est, c'est parti, tous les soirs, c'est la fête, on s'arrête à une table, on s'arrête à une autre, et le groupe est très chaleureux, finalement. C'est marrant, parce qu'il y a quand même la moyenne d'âge a l'air d'augmenter, mais en même temps, les pères amènent leurs fils, donc on voit la nouvelle génération qui vient, qui pousse, qui dans les pistes klaxonne pour nous mettre sur le côté, parce qu'on est trop lent, mais enfin, c'est marrant, quoi. Ça. Bon appétit, Bruno. Merci beaucoup, tantôt. Salut. Ciao. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yeah.
Après avoir flirté avec le shot El Farah, on passe un premier col avant de s'attaquer au Jebel Bou Edma par le passage du Hadej. Deux autres cols attendront encore les tout-terrainistes, tandis que les trails auront des pistes plus roulantes et de la route pour rejoindre Sidi Bouzid et ensuite Zbetla.
Alors bonjour Luc. Tu profites bien de cette Trans-Tunisia? Ben, je crois que là, maintenant qu'elle a l'air d'avoir trouvé son rythme de croisière, on commence vraiment à en profiter. Mais c'est vrai qu'au début, point de vue organisation, c'était assez lourd. Dès le départ, il y avait le bateau qui avait 3 heures de retard. Le débarquement des motos, du camion qui s'est fait sous une pluie incroyable, sous un gros orage. Heureusement que le temps s'est remis depuis. Et puis, l'assistance a déjà été mise quand même à rude épreuve. Niveau organisation, il y a eu des difficultés pour préparer cette Trans-Tunisia? Disons que c'est une grosse édition avec beaucoup de participants, puisqu'on est quand même 100 cette année-ci. C'est un tout nouvel itinéraire qu'on inaugure. Et parmi les changements qu'on a faits, il y en a peut-être l'un ou l'autre qui mériterait encore d'être amélioré. J'ai eu des échos un peu de toutes les sortes. C'est sûr que le soir où on est arrivé au bivouac, après ces 7 derniers kilomètres avec beaucoup de sable, les trailistes n'étaient pas vraiment contents et ils avaient raison de l'être. Mais là, je crois qu'avec le genre de paysage qu'on voit aujourd'hui et des autres jours aussi, ils vont être tout à fait réconciliés avec la Trans-Tunisia Tissot. Ben vivement la 30e. Ben oui, on l'attend déjà avec impatience. Ouais, moi aussi. Merci Luc. De rien, avec plaisir. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais les pieds nés guibolles abîmés. J'explorais mon quartier. Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in a favorite sundress, watching me get undressed, take a party downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Le retour de cette étape mythique de la Trans-Tunisia Tissot. Des pistes de forêt conduisent au site romain d'Aïdra avant de passer au pied de la fameuse table de Yugurta. Des paysages grandioses sont encore au programme de la remontée vers Tabarka, où le logement est prévu dans un superbe hôtel de bord de mer. Yeah.
fait, t'as attrapé le muret là. Ouais. Et dans la poussière, t'as dépassé. Ben oui, quand j'ai dépassé, boing, hop. Vous vous êtes percuté? Non, non, il suivait. Non, non, il était derrière. Ah, il a pas pu t'éviter en fait. Il a pas pu m'éviter, mais t'as vu la distance? Ouais. T'as vu où je me suis arrêté à 20 mètres quoi. Putain, mais... Et ça va? Ouais, ouais. Tu vas pouvoir continuer? Ouais, ouais, de toute façon, ça va. Au prix où ça coûte, c'est sûr qu'on continue. Allez, courage. Ouais, merci. De vous présenter mon nouveau chauffeur après 3 jours. Voici Salem. Comment vas-tu, Salem? Voilà, pendant 3 jours qu'on est passé pas mal, aujourd'hui un peu dur. Ça se coupe beaucoup aujourd'hui, hein? Ah oui. C'est du tout terrain, hein? C'est du tout terrain aujourd'hui qu'on fait vers Tabarka, Desbiette vers Tabarka. On est arrivé à bonne heure l'après-midi. Inch'Allah. Et ça va? T'aimes bien? Voilà, j'ai bien. T'as l'habitude de faire des rallyes? Voilà, à l'époque, on fait 4 fois avec le rallye Optique 2000 qu'on fait les journalistes. Ou le rallye tunisien Optique 2000. J'ai parti 4 fois, on fait les déserts avec le grand île des sables. Et comment trouves-tu la Trans-Tunisia? Voilà, elle est très très bien. Pardon? Elle est très très bien. T'aimes bien les pistes? Voilà, je voulais qu'il fasse les déserts avec le dune des sables, mais de la piste de pierre. Tu préfères quoi? Les dunes? Les dunes de sable. Les dunes de sable? Oui. Par exemple, dans le sens de Xarguilén, de ce côté, il est bien, il est pas mal. Nous sommes la vraie nomade des déserts, on peut les faire des déserts facilement, sans GPS aussi. Hein. Et en parlant de GPS, je vois que tu t'habitues au tripi. Toi, t'es dit, hein? Ouais, je te guide, mais on fait une bonne équipe, non? Voilà, il est très très bien. C'est on arrive à chaque fois à l'hôtel. Ah, chaque fois, c'est pas déjà. C'est le principal. Ça, c'est grand chose. Le principal est juste, hein, quand à la fin, on arrive à nos hôtels. Hein. Et sinon, pas de problème, à part ça? Non, à part ça, ça va aller. Hein. Et encore demain, on reste aussi, Inch'Allah, on passait une bonne journée vers Tunis. Et on arrive à la fin, Inch'Allah. Et tout le groupe, tout va bien. Il fait son rallye tranquillement, et bien passé tout le monde. Elle est très contente. Et quelque chose de bien pour nous aussi. Hein. Merci, Salem. De rien. Chacun son tour.
Nous voilà coincés en plein milieu de nulle part. Et voilà les secours. Oh, venez par là, s'il vous plaît. Non, non, venez par là. Bon, oh, la piste là-bas, elle va au goudron, il n'y a pas de problème. D'accord. Pour moi, c'est le premier, là. C'est une brique en place. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. De kilomètres de pistes de moins à parcourir, sans pour cela avoir l'impression de chômer en chemin. Mais ils éviteront tout de même la finale sur la plage de Camarthe, où le logement en bord de mer est prévu dans le même agréable hôtel qu'à l'aller. Thank you.
À toi aussi. Alors, salut Renaud. Bonjour, Marc, je crois. Laurent. Laurent, pardon. C'est vraiment une grande découverte pour moi. C'est pas un premier voyage avec le Club Moto 80 et ça répond tout à fait à mes attentes. Il y a eu de tout. Celui qui s'est roulé en moto, il n'y a vraiment eu aucun problème. On a goûté à la boue, on a goûté au sable, on a goûté aux pierres, on a été en montagne, on a eu des traversées de plage, on a longé la mer. C'est fantastique comme parcours. Qui t'a donné envie de venir à la France-Tu ? Ah, des gens qui ne sont pas là. Penses-tu qu'il faut une certaine expérience pour venir en France-Tu ? Oui, c'est-à-dire que oui et non. Tu apprends, étant donné que tu vis 8 heures par jour sur ta moto, tu apprends une vitesse VV'. Si tu n'as pas d'expérience, t'as un peu de caractère, un peu les couilles bien accrochées, tu vas apprendre beaucoup. Si tu as de l'expérience, ça va devenir un véritable plaisir parce que le soir, tu seras fatigué physiquement, mais tu n'auras pas des vraies douleurs, des mains crispées, des avant-bras qui ne tiennent plus debout, etc. Si tu as l'habitude de rouler en moto, c'est mieux. Ben, merci à toi et bonne fin de journée. Merci à Profite toi aussi. Profite bien. Merci, au revoir. Salut. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va et vous ? Qu'est-ce que tu fais ? Bienvenue dans madame. Merci. 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 Non, c'est pas difficile, c'est pas facile. Merci. On est de nouveau à l'aéroport Tunis-Carthage, malheureusement sur le départ. La 29e Trans-Tunisia Tissot est terminée. À l'année prochaine tout le monde.